durante a sua viagem esteja com ele, todo escrito que ele estará e que tudo que ele fará será a glória do seu reino. Abençoa também a presença do pastor Jean-Bernard Muonga, porque a sua presença cá é a nossa bênção e nós somos uma bênção para ele. Oh, põe na sua boca uma palavra que fará que haja transformação nas nossas vidas. Comece e termina conosco. Tu conheces o desejo de cada um. Deixa que através da pregação do Evangelho, cada um possa receber a resposta segundo as suas preocupações. Comece e termina conosco. Tudo isso entregamos nas tuas mãos, porque rogamos assim, com toda a fé, em nome do grande e glorioso, de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, digamos assim. Amém. Aclamemos tudo para o Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Sem perder o tempo, vamos se colocar para louvar o nosso Deus. Quem tiver inário, Hosana é número 97. Le Seigneur m'aime, mon Dieu suprême. Irmão de Batuque também fica pronto. Le Seigneur m'aime, mon suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, mon suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai, toujours le Seigneur. Je redirai, toujours le Seigneur. Aime le Seigneur, m'aime, il est. Je redirai toujours le Seigneur. Aime le Seigneur, m'aime, il est. Dans la souffrance et sans espérance, dans la souffrance, j'ai gémi, je redirai, jour le Seigneur, aime le Seigneur, m'aime, il est, je redirai, je redirai toujours le Seigneur. Aime le Seigneur, m'aime, il est amour. Comme mon peine, porte ma chaîne, porte ma chaîne, je te peux, je redirai, je redirai toujours le Seigneur. Aime le Seigneur, m'aime, il est. Je redirai toujours le Seigneur. Aime le Seigneur, m'aime, il est amour. Dieu est dans sa grâce, prie à ma place. Dieu dans sa grâce, prie son cher. Je redirai toujours le Seigneur.
Mano, oh, mano,
l'âme du Seigneur. Que fait nouveau s'allume par ton amour à moi et dans mon cœur consumé, c'est qui n'est pas là pour y accepter. Bíblias. No Psalm 103. No livro de Salmo 103, verso 1 e 2. Âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. A minha alma bendiga o Senhor, não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e que cura todas as suas enfermidades. Que livre ta vie de la fosse. Ele que liberta a tua vida do poço. Coroa de bondade e de misericórdia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ele que donne bon as coisas na sua velhice e te rejoigne comme un águia. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. O Senhor faz justiça e faz direito a todos os oprimidos. L'Éternel, notre Dieu et notre Eterno nosso Deus e o nosso Pai, du lever du soleil au coucher du soleil. De nascer do sol ao pôr do sol. Tu es le seul et le véritable Dieu. Tu és o único e o verdadeiro Deus. De la Genèse à l'Apocalypse. De Gênesis até Apocalypse. Tu es le seul et véritable Dieu. Tu és o único e verdadeiro Deus. Car il est écrit dans ta parole. Porque está escrito na tua palavra. Tu es l'Alpha et l'Omega.
Pois é o alfa e ômega. Le commencement et la fin. Começo e o fim. C'est toi qui es la lys de la vallée. És tu que é o lírio de vale. L'étoile brillante du matin. A estrela resplandecente de manhã. La source d'eau vive intarissable. A fonte de água pura que não seca. C'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. Que nos cura de todas nossas enfermidades. Et qui nous pardonne de toutes nos iniquités. Perdoa de todas nossas iniquidades. C'est ainsi nous venons devant ta divine présence. É por esta razão que viemos diante da sua divina presença. Pour déposer tous nos fardeaux. Depositar a todas nossas cargas. Car il est écrit dans ta parole. Porque está escrito na tua palavra. Venez à moi vous qui avez des fardeaux. A mim vós que estão carregados. Et je vous donnerai un fardeau léger. E eu vos darei um peso ligeiro. Nous nous attendons cet après-midi. E nós esperamos nesta tarde que nous sortons d'ici avec un fardeau léger. Com carga. Car nous sommes fatigués de ce monde. Porque estamos cansados. Nous savons que la force se trouve en toi, Seigneur. Sabendo que a força encontra se. Voilà pourquoi tu as bien voulu nous envoyer Malachi 4. É por esta razão tu quis aqui a 4. Malachi 4 nous apporte tout le conseil de Dieu. Malachi 4 nos trouxe todos os conselhos de Deus. Il a été comme un pont pour rétablir toutes choses. Ele foi como uma ponte para restabelecer todas as Parce coisas. Que la Bible dit, porque a Bíblia diz: Jesus devait rester au ciel. Jesus deveria ficar no céu. Jusqu'au rétablissement de toutes choses. Até o tempo de restabelecimento de todas as Et coisas. Il est écrit dans ta parole, está escrito na tua palavra. Je vous envoie Malachi 4. Eu vos envio Malachi 4. Et lit le prophète. Elia o profeta. Il rétablira. Ele restabelecerá. La foi des enfants au père. A fé das crianças aos pais. Et nous croyons comme il a tout rétabli. E crendo como ele assim restabeleceu Jesus tudo. Jesus n'avait plus droit de rester au ciel. Direto de ficar no Et céu. Nous voulons que Seigneur. É por isso, Senhor, que Jesus ne soit pas, il reste pas dans les livres. Jesus não pode ficar nas escrituras, no livro. Parce que ça sera un Jésus intellectuel. Porque é um Jesus intelectual. Mais que ce Jésus devienne chacun de nous. E que esse Jesus torne-se cada de nós. Oui, c'est ce Jésus que nous avons besoin. Sim, é esse Jesus que nós precisamos. À quoi nous servira le Dieu de Branham? Em que nous serviria o Deus de Branham? S'il n'est pas notre Dieu. Se ele não é o nosso Deus. Voilà pourquoi nous t'invoquons ce soir. É por isso que nós te invocamos nesta tarde. Viens au milieu de nous. Vem no nosso meio. Parle-nous, Seigneur. Fala-nos, Senhor. Que nous entrons dans un repos éternel. E que possamos ouvir no repouso eterno. Là où nous n'aurons plus à travailler. Onde não teremos mais tempo de trabalhar. Dieu prend la relève et prendra la relève. E Deus tomará o relevo e tomará o relevo. La gloire, l'honneur te reviennent. Que a glória e a honra seja dada a ti. Au nom de Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Deus abençoe cada de vós. Je vous salue tous au nom de Jesus Christ. Estou vos cumprimentar todos em nome de Jesus Cristo. Amen. Amen. Et nous disons merci à Dieu. E assim nós digamos obrigado a Deus. Pour la grâce qu'il nous accorde. E pela esta graça que nos concede. Je ne crois pas une grande église le dimanche. Eu não acredito numa grande igreja só no domingo. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Frère Branham dit. Irmão Branham diz. Amen. Amen. Les jours de semaine, nous parlons de ce qui regarde la doctrine. Durante o dia da semana, nós falamos ao que diz respeito à doutrina. Mais le dimanche. Mas no domingo. Nous prêchons un message évangélique parce que il y a beaucoup de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nós pregamos a mensagem evangélica porque há muitos que vêm que não conhecem Deus. Je veux écouter un amen. Eu gostaria d'ouvir o vosso amen. Que les vrais membres. Et para dizer que o verdadeiro membro. Branham contait à Branham Tabernacle. Et Branham contia no Branham Tabernacle. C'est ceux qui venaient les jours de semaine. São aqueles que andavam vir no dia de semana. Amen. Amen. Je crois que c'est même un jour férié. Até para hoje é dia feriado. C'est comme un dimanche aujourd'hui. Parece como domingo hoje. Qui peut dire amen? Amen. Vous savez ce qui fait ça? Você sabe o que está fazer isso? C'est le manque de réveil. É a falta de reavivamento. Oh, je vais écouter un amen. Amen. Quand le réveil quitte le cœur, et quando o reavivamento sai do coração, vous ne serez plus content d'être à l'église.
Nunca ficará mais contente de estar na igreja. Qui peut dire amen? Amen. 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 Les quelques deux heures qu'on passe à l'église pour toi c'est beaucoup. As duas horas que passamos na igreja para ti é um tempo longo. C'est que dans votre cœur le réveil vous a quitté. É para mostrar que no seu coração o reavivamento já te deixou. Quand le réveil quitte quelqu'un. É quando o reavivamento deixa alguém. C'est ce qu'on appelle Ichabod. Isso que chama-se Ichabod. Il est banni de la gloire de Dieu. Ele está apagado da glória de Deus. Voilà pourquoi nous devons toujours garder le feu du réveil. É por isso que nós devemos sempre guardar o fogo do reavivamento. Qui peut dire amen? Amen. Et le feu du réveil dans une église. E o fogo do reavivamento de uma igreja. Vous devez le garder en évitant des critiques. Deve guardar este fogo evitando as críticas. Parce que le Saint-Esprit ne résiste pas aux critiques. Porque o Espírito Santo não resiste às críticas. Oh, je veux écouter un amen. Amen. Ça porte la lourdeur dans l'église. As críticas traga o peso na igreja. Amen. Amen. Voilà pourquoi chacun de nous doit faire de telle sorte que l'église garde le feu. É por isso que cada de nós deve fazer de maneira que a igreja possa guardar o fogo. Nous sommes dans le cancer. Estamos no nosso assunto que é o câncer. C'est Dieu qui guérit toutes les maladies. É Deus que cura todas as suas enfermidades. Et qui te pardonne toutes tes iniquités. Que perdoa todas as tuas iniquidades. Donc toute maladie, dans toutes les formes, c'est Dieu qui les guérit. Todas as doenças nas suas formas é Deus que cura. Vous dites amen. Amen. Or, je vous ai dit la fois passée. Eu vos disse a vez passada. Que le cancer. Que o cancro, o câncer, vient d'une cellule rétrograde. Vem a partir de uma célula retrograda. Cette cellule n'était pas rétrograde. Quer dizer que, em princípio, esta célula não foi retrograda. Elle était une bénédiction pour le corps. Esta célula foi uma bênção para o corpo. Jusqu'à ce qu'elle est rétrograde, elle meurt. E até que ela retrogradou e morre. Et quand elle meurt, e quando a célula morre, il y a du pus qui se forme. Há pus que forma-se. Tout autour de cette cellule rétrograde. À volta desta célula retrograda. Et quand le pus se forme. E quando forma-se pus. Un esprit vient s'incarner. Agora que vem encarnar-se um espírito. C'est là où commence le cancer. É a partir daí que começa o câncer. Mais cet esprit-là est invisible à l'œil nu. Portanto, este espírito é invisível a olho nu. Vous pouvez sentir le mal. Pode sentir o mal, vous irez à l'hôpital, ne verra rien. Pode ir no hospital, não vão ver nada. Oh, je veux écouter un amen. 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 Et plus ça met du temps, enquanto que isto vai levar muito tempo, plus il est en train de se former un corps. Et até que ça vai roer e vai formar corpo. Jusqu'à ce que le corps devienne visible. Et até que este corpo torna-se visível. Les médecins pourront dire en ce moment-là que tu as le cancer. E os médicos naquela altura podem detectar que você tem câncer. Mais ça a commencé il y a longtemps. Portanto, aquilo iniciou há muito tempo. Comme a manquer le respect à Branham. E homem faltou respeito ao profeta Branham. Quand il a demandé frère Branham de taper Joseph parce qu'il avait manqué. E quando ele pediu irmão Branham de bater Joseph porque ele faltou. Joseph avait déjà couru demander pardon chez papa. Et Joseph já correu pedindo perdão ao pai. Quand Meda arrive après. E quando Meda chegou depois. Oh, je veux écouter un amen. Amen. Vous suivez bien? Estão me seguindo bem? Il dit, faut taper Joseph. Oh, Meda disse, tem que bater Joseph. Je ne peux pas. O profeta disse, eu il não posso. Il a déjà demandé pardon. Ele já pediu perdão. Qui peut dire amen? Amen. Il a demandé déjà quoi? Elle já pediu o quê? Apprenons à demander pardon. Et tem que fazer tudo para pedir perdão. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. O perdão não é sinal de fraqueza. Mais c'est un signe que tu as le Saint-Esprit. É sinal que você tem o Espírito Santo. Je n'ai pas entendu un amen. 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 Parce que Jésus qui était le Saint-Esprit. Porque Jesus que foi o Espírito Santo, pour prouver qu'il était le Saint-Esprit, para provar que ele era o Espírito Santo, sa dernière parole, a última palavra, était Père, foi que Pai, pardonne-les, perdoem-os, car ils ne savent pas ce qu'il est, porque eles são ignorantes. Quand quelqu'un ne connaît pas pardonner, quando alguém não sabe perdoar, qui peut dire amen? Amen. Moi et lui, c'est à la tombe. E menos ele no túmulo. Ça prouve qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Prova que ele não tem o Espírito Santo. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a dit pardonnez-vous les uns
Porque é o Espírito Santo que diz: perdoai-vos uns aos outros. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Est-ce que ce même Saint-Esprit viendra encore endurcir mon cœur? É, será que o mesmo Espírito Santo virá para falar mentira? Parce que le Saint-Esprit est sous sa parole. É porque o Espírito Santo está controlando a sua palavra. Et quand Meda dit à Branham, e quando Meda respondeu a Branham, si c'était autre chose, se fosse outra coisa, tu seras le premier. E tu serás o primeiro. Et quand elle repart, frère Branham la suit. E quando ela voltou, irmã Branham la seguiu. Elle dit, ela disse, elle claque la porte. Ela bateu com a força a porta, puf. Et une voix a dit à frère Branham, et uma voix intérieure dit à elle Branham, a semé ce que elle a récolté ce qu'elle a semé. Ela vai recolher o que ela semeou. Oh, je vais écouter un amen. Amen. Et frère Branham dit que depuis ce jour-là, irmã Branham diz que desde aquele dia, Meda souffrait d'un mal. Et Meda sofria de uma mais dor. Il était invisible. Ela sofria de uma dor invisível. Oh, je veux écouter un amen. 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 Mais la tumeur avait déjà pris place. Quer dizer que o tumor já tinha tomado lugar. Parce no, que na Meda. Meda était déjà rétrograde. É porque Meda já era rétrograde. Le fait d'avoir manqué le respect à son mari. Pro fato de ter faltado respeito ao seu marido. Oh, je veux écouter un amen. Amen. Non seulement à son mari, mais au prophète de Dieu. Não somente ao seu marido, mas ao profeta de Deus. Et combien de gens ont le cancer sans le savoir? E quantas pessoas que têm câncer sem saber? Oh, je veux écouter un amen. 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 Et depuis ce jour-là, et à partir daquele dia, on est allé à l'hôpital, on n'a rien vu. Et fora no hospital não descobriram nada. Plus tard, on est allé découvrir que c'était une tumeur qui avait la grosseur d'une orange. Et mais tarde foram descobrir que foi tumor que tinha a grosseur d'une laranja. Heureusement pour Meda, elle avait un mari qui l'aimait. Et felizmente para Meda, ela tinha marido que o amava. Oh, je veux écouter un amen. Amen. Quand quelqu'un tombe dans le péché, quando alguém cai no pecado, la seule manière de le sauver, ce n'est pas en le poussant. É a única maneira de le levantar, de salvar, não é le puxar. E frère Branham a prié Dieu, Seigneur, je savais que ne voulait pas le faire. E irmã Branham orou dizendo que, oh, Deus sabia c'est que ela não podia fazer. C'est dans la colère qu'elle a fait. Ela agiu debaixo da Seigneur, ira. Seigneur, pardonne-la. Oh, Deus, perdoa-la. Oh, je veux écouter un amen. Amen. C'est là que tu sauras si tu as le Saint-Esprit. É a partir daí que vais saber se tem o Espírito Santo. Quand tu vas interceder pour celui qui te fait du mal. E quando vai interceder para aquele que te fez o mal. Ne croyez pas. Não acredita. Que en devenant chrétien n'aura pas des ennemis. E tornando cristão não vai ter mais inimigos. Oh non, mais comment il est chrétien, il a des ennemis. On aura toujours des ennemis. Mas como é que ele é cristão, não tem, sempre teremos os inimigos. Oh, je veux écouter un amen. Amen. Parce que la Bible dit que les ennemis de tout un chacun, ça sera les gens de sa maison. Porque a Bíblia diz que os inimigos de cada de nós será as pessoas da sua casa. Qui peut dire amen? Amen. Et Jésus continue lui dire. Et Jésus continue à dire. Si ton ennemi a faim, se teu inimigo tiver a fome, donne-lui à manger. Dá-lhe de comer. S'il a soif, se ele tiver a sede, donne-lui quoi? Dá-lhe de beber. Donc il y a un amour qu'on a pour l'ennemi. Temos amor para inimigo. Et il y a aussi un amour pour quelqu'un qu'on aime. Também há amor para aquele que tu ama. Oh, je veux écouter un amen. Amen. Est-ce que vous suivez bien? Será que estão seguindo bem? Amen. Amen. Parce que quand les Philistins voulaient arrêter Élie, Élisée, je pense. Et quand les Philistins quis prender Élie ou uma coisa assim, et qu'il a demandé que leurs yeux soient aveugles. Et qu'elle pediu que ele ficasse cego. Il les a amenés dans le camp des enfants d'Israël. Ele les trouxe no areal dos filhos d'Israël. Est-ce que vous dites amen? Amen. Arrivé là-bas, quand Israël voulait les faire du mal, ne les fait du mal, donnez-les à boire, donnez-les à manger. Et quand ils chegaram no campo de Israël et qu'Israël quis fazer o mal, ele disse: Non, non, le fais mal, laissez-les partir. Et deixa-les ir embora. S'ils vont de là, ils ne seront plus vos ennemis. Et s'ils vont là, ne vont ser mais vos ennemis. Quand ils arriveront, ils disent: Ah non, moi je peux plus aller combattre des gens comme ça. Et quand ils chegaram na sua terra, ils vont dire: Ah,
Parce qu'ils ont manifesté un amour. Et quand se manifestar un amour, si c'était nous, on devait les tuer. Se fosse nós, íamos les matar. Amen. Cherchons plutôt la paix. Vamos buscar, aliás, heureusement pour Meda, et félicitement pour Meda, frère Branham, irmã Branham, le jour de l'intervention chirurgicale, no dia que houve a intervenção cirúrgica, Branham a dit, comme tu as créé les écureux, irmã Branham diz, assim como criaste os esquilos, la parole. Et la palabra, j'aimerais aussi avant que le médecin ne touche mon épouse. Eu gostaria antes que o médico possa tocar a minha esposa. Que la tumeur disparaisse. E que o tumor desaparece. Oh, je veux écouter un amen. Amen. Et quand on a préparé Meda pour l'opérer. E quando ela ficou preparada para a intervenção. Quand le docteur touche. E quando o médico tocou. La tumeur avait disparu. O tumor já tinha desaparecido. Je veux écouter un amen. Amen. Pourquoi? Por quê? Parce que Branham lui-même a pardonné. Porque Branham ele próprio perdoou. Votre pardon, o teu perdão, peut sauver quelqu'un qui est dans le mal. E pode salvar alguém que está no mal. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises, é aquilo que estamos a ver hoje nas igrejas. Les gens ont un cœur endurci. E a pessoa tem coração endurecido. Vous arrangez le problème. Você arranja o problema. Et même ça on se parle pas. Si c'est moi le pasteur, je vais écouter un amen. Amen. Je vais exposer le problème à l'église. Eu vou expor o problema à igreja. Si tu te réponds pas, et se não te arrepende, on suit le processus, on te chasse. Vamos seguir o processo, vamos te expulsar. Qui peut dire amen? Amen. Nous ne venons pas ici pour nous troubler les uns. Nós viemos aqui para nos perturbar uns aos outros. Mais il arrive parfois que nous arrivons à l'accrochage. Et acontece que chegamos no ponto mais cela ne fait pas de nous des ennemis. O ponto de desentendimento não pode fazer de nós os qui inimigos. Te dire amen. Amen. Car là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Todo sítio que encontra os homens, há sempre problemas. Amen. Amen. Même là où se trouvait Branham. Mesmo no sítio que encontrava-se Branham, dans sa propre maison, il y avait des problèmes. Na sua própria casa havia sempre problemas. Mais on arrivait toujours à être déçu des problèmes. Sempre chegava para ultrapassar os problemas. Billy Paul disse, j'ai vu des miracles que papa a fait. Eu vi milagres que papa fez. Mais s'il y a quelque chose qui a impressionné ma vie, et c'est algo que impressionou a minha vida, c'est que quand il y avait une situation, papa avait toujours quelque chose pour régler cela. Et quand il y avait une situation, papa sempre tinha algo para poder acertar naquela coisa. Et nous avons papa Branham avec nous. Et nós temos papa Branham conosco. Le message de l'heure. Que é o message da hora. Je veux écouter le même. Amen. Comme Billy Paul a pour papa Branham dans la chair. Et comme Billy Paul tem papa Branham carnalmente. Branham dit que vous êtes mes enfants dans l'évangile. Branham diz que nós somos seus filhos no evangelho. Est-ce qu'il nous manque quelque chose dans Branham pour arranger nos problèmes? Será que nos falta coisa em Branham para arranjar nossos problemas? Je ne sais pas si vous dites amen. Não sei se vocês vão dizer est-ce amen. Est-ce que vous suivez bien? Será que estão seguindo bem? Ouça, meus irmãos. Les esprits séducteurs. Brochura aos espíritos sedutores. Le plus mauvais esprit séducteur. O mais maus espíritos sedutores, c'est lui qui te laisse venir à l'église. É aquele que tenta te impedir de vir à igreja. Mais il te laisse vivre toujours comme avant. Et que tu te comportes comme antes. Qui peut dire amen? Amen. Il te fait dire que tu es chrétien alors que tu l'es pas. Et tu te fais dire que tu es chrétien enquanto que tu não és. Or nous avons appliqué ça dans le service de guérison. Paragraphe 38. Toujours du côté guérison. Appliquons le service de le cancer, la tumeur, la cataracte. O cancro, tumor e cataracte. La tuberculose. A tuberculose. Toutes ces choses ne sont pas des choses naturelles. Todas essas coisas não são as coisas naturais. Elles sont surnaturelles. Elas são sobrenaturais. Ce sont des démons. São os demônios. L'écriture le confirme clairement pas. Clairement, a escritura confirma claramente. Il s'agit là des démons dans le corps qui se manifestent par des tumeurs. Et trata-se dos demônios no corpo que se manifesta nos tumores. Comme un cancer. Et comme un cancer. Il y a une vie dedans. Pousse dentro. Et la vie de ça, c'est un démon.
Et la Bible dit que c'est un démon. Une cataracte qui prend de l'extension, une tuberculose qui se propage, et d'autres maladies. Un cataracte qui amplie ces tuberculoses qui tombent et qui sont des démons. Todas as doenças são ça, demônios. C'est sous une forme physique. Porque elles tombent sous une forme physique. Maintenant, ce matin, nous allons parler des démons sous une forme spirituelle. Mas não, nesta manhã ou nesta tarde, falaremos sobre o demônio que toma uma dimensão espiritual. Dans l'âme. Et na alma. Ils sont dans l'âme tout comme ils sont dans le corps. Elles estão na alma da mesma maneira como estão no corpo. Et nous sommes bien obligés d'admettre que nous voyons qu'ils sont dans le corps des gens. Et devemos admitir que esses espíritos encontram-se no corpo de gente. Sous forme de cancer. Et sous forme de cancros. Et de différentes maladies qu'il y a dans le corps humain. Et diferentes doenças que encontram-se no corpo humano. Tout dernier, nous avons même déclaré que le cancer est une maladie de la quatrième dimension. Et comme ele declarou que o cancro é a doença da quarta dimensão. Qui se trouve dans une autre dimension, bien sûr. Et qui encontra numa outra dimensão, com certeza. Il s'agit de la démonologie. Trata-se da demonologia. Toute maladie est une maladie de quatrième dimension. Toda doença é uma doença que vem da quarta dimensão. Il n'y a pas de maladie qui vient de Dieu. Não há doença que vem de Deus. Toutes les maladies viennent du diable. Todas as doenças vêm do diabo. Amen. Je vais écouter un amen. Amen. N'ayons pas un langage de dire que oh, ça me souci en zambete. Non, on peut taire la langue de dire que esta doença está vindo de Deus. Dieu n'a pas de maladie. Em Deus não há doença. Toutes les maladies viennent de diable. Todas as doenças vêm do diabo. Que ça soit les envoûtements. Seja envoûtement. Soit les envoûtements. Seja envoûtements. Même la comme la toux. Et pode ser a tosse. C'est toujours le démon. Sempre é demônio. Le sorcier, les démons, c'est la même chose. Os bruxos, feiticeiros, demônios, eles são a mesma coisa. Je vais écouter un amen. 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 Et au milieu de nous, on doit connaître quel langage il faut dire. No nosso meio, devemos conhecer qual linguagem usar. Dites amen. Amen. Il s'agit de la démonologie. Trata-se da demonologia. Toute maladie, tu m'as dit de la quatrième dimension au départ. Et toda doença vem da quarta dimensão em partida. Oh, mais, comme un cancer dans le corps ou bien un cancer dans l'âme. Un cancro ou câncer no corpo ou un câncer na alma. Le démon peut pénétrer dans les deux endroits. O demônio pode penetrar nos dois lugares. Oh, je veux écouter l'amen. Amen. Oh, il arrive souvent et bien des gens d'avoir des bonnes pensées comme quoi. Et acontece que a pessoa tenha bom pensamento como que? Et de bras de quelqu'un qui ils ont ou sur quelque chose qui leur a été enseigné. Et de tomar como é que eles são ou sobre uma coisa que foi ensinado a eles. Dès leur enfance. Desde a sua mocidade. Ils constatent malgré tout ça qu'au fond de leur être, qu'au fond de leur âme, il y a encore quelque chose qui n'est pas en ordre. Et que montre que no fundo de sua alma, no seu corpo, há uma coisa que não está em ordem. Il y a beaucoup ici ce matin, sans doute que partout on trouve des chrétiens rassemblés. Et comme aqui nesta manhã encontramos os cristãos juntados. On trouve des gens qui ont de ces esprits en eux. Et encontramos as pessoas que têm esse espírito dentro deles. C'est quelque chose d'indésirable, ils n'en veulent pas. Tais coisas que eles não gostam, não desejam. Ils disent aussi, seulement je pouvais arrêter de mentir. Et si eu podia cessar de mentir. Si seulement je pouvais arrêter de convoiter. Si eu podia cessar si seulement de convoiter. Je pouvais arrêter ce sur cela. Et si eu podia parar fazer isto aquilo. Oh, ça ce sont des démons. Portanto, esses são demônios. Oh, je vais écouter l'amen. Amen. Et bon, ils se présentent sous la forme de religion. Et enquanto que esse demônio se apresenta sous forme de religião. Souvent. Muitas vezes, vu que c'est l'école du dimanche, c'est un temps d'enseignement. Et non, escola dominical, mas é um tempo d'enseignement. Ils se présentent sous la forme de religion souvent. Et que ces démons s'apparentent sous forme de religion. La religion, c'est venir à l'église. A religião significa vir à igreja. Mais avoir la même vie que tout le monde. Et pourtant, ter a même vie que tout le monde. Amen. On appelle les catholiques, les sœurs catholiques ou les prêtres, on les appelle les religieux. Chamamos os padres, as irmãs católicas como religiosos. Pourquoi un catholique fait tout ce que le monde fait? Porque que um católico faz tudo que o mundo faz? Oh, les démons, ils sont religieux. Porém que os demônios são religiosos. Car le diable n'est pas un incroyant. Porque o diabo não é um incrente.
Mais c'est un croyant à 99%. Mas ela é crente a 89%. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Est-ce que Judas était-il un croyant? Será que Judas Iscariote era incrédule? Un croyant, c'est un incrédule. Incrédule, un incrédule. Mais Judas était un soi-disant. Judas era crente de meio, mas il a cru en Jésus jusqu'à la dernière minute et il s'est retiré. Ele acreditou em Jesus até no último minuto até retirou-se. Parce qu'il ne pouvait pas arriver à la Pentecôte. É porque Judas não podia chegar à Pentecôte. Oh, je veux écouter un amen. Amen. Et à la Pentecôte, c'était une expérience. Et na Pentecôte era uma experiência. Oh, chaque fois que vous voulez faire une expérience avec Dieu, il y a une épreuve. Enquanto cada vez que quero fazer uma experiência com Deus, faço uma prova. Amém. E nós devemos aller de experiência. Devemos ir de experiência em experiência. Se nós partimos de experiência em experiência. E se vamos de experiência em experiência. Ça veut dire que nous allons de prova. Significa que vamos de prova em prova. Je disais un frère tout à l'heure alors que j'exhortais. Eu dizia no irmão há pouco tempo enquanto exortava. Derrière chaque mouvement, derrière chaque situation, il y a Dieu qui est là. E detrás de cada movimento ou situação, Deus está lá. Il n'y a pas le hasard de la vie d'un chrétien. Não há o azar na vida de cristão. La vie d'un chrétien où les pas du juste sont conduits par qui? Os passos de crente ou de justo são conduzidos para quem é para Deus. Je ne sais pas si vous dites amen. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Podemos continuar. Est-ce que ça pénètre bien? Será que está penetrando bem? William Branham. William Branham. Sort de l'église Branham Tabernacle pour aller chez lui. Et saiu da igreja Branham Tabernacle para sua casa. Il devait traverser une parcelle qui n'était pas clôturée. Eu vou a passar num quintal que mais não foi il pedreado. Avait demandé la permission au propriétaire de la parcelle. Ele pediu a permissão ao proprietário do quintal. Mais la femme du propriétaire n'était pas au courant. Et portanto a mulher do proprietário não sabia dessa permissão. Et son frère Branham vient pour traverser la parcelle. Et quando o Branham vem para atravessar o quintal, la femme là se lève. Et onde que estava a mulher a levantou-se. Tu ne passeras pas par ici. Oh, Senhor, não vai passar por aqui. Frère Branham dit pardon, je dis pas de pardon. Il m'a pardonné, pardon, desculpa. Dit, je suis pasteur, dit, je m'en fous de pasteur. Eu sou pastor, epa, não tem nada a ver com d'abord, teu pastor. D'abord, ta maman t'a mal éduqué. Ainda a sua mãe te educou mal. Frère Branham dit qu'il a ensommé sa mère. Ele falava mal da sua mãe. Aleluia. Amen. Frère Branham dit. Il m'a pardonné, dit. Je ne supportais pas qu'on injurie ma mère. Eu não suportava que alguém insulte a minha mãe. Si cette femme avait fait cela il y a une année de passé, esta mulher fez isso um ano passado, on la ramassera par terre. Vão la apanhar no chão. Oh, je veux écouter un amen. Amen. Est-ce que une année de passé Branham était païen? Será que um ano de passado Branham era pagão? Je vous pose la question. Une année de passé, Branham était païen. Un an passé, Branham era pagão. Qui peut dire amen? Mais il dit, au lieu de la haïr, em vez de odiar esta mulher, je l'ai aimée. Eu amei. Oh, je veux écouter un amen. Amen. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était arrivé dans ma vie. Cette femme-là injuriant la maman de frère Branham. Aquela mulher como insultou a mãe de irmã Branham. C'était Dieu mettant Branham devant une épreuve. Era Deus colocando Branham diante de uma prova. Et qu'il voit ici, il a fait un autre pas. Et para ver se Branham deveria ter oh, outro passo. Écouter, amen. Amen. Mais souvent dans les épreuves, nous échouons. Muitas vezes nas provas nós fracassamos. Parce que nous ne connaissons pas que la vie d'un chrétien sur la terre c'est d'épreuve en épreuve. Porque nós não conhecemos que a vida do cristão aqui na terra é prova sobre prova. Comme le frère là m'a fait comme ça. Et comme aquel irmão me fez assim. Comme la sœur là m'a fait comme ça. Et comme aquel irmão me magoou. Je refuse l'église. Eu vou recusar a est-ce igreja. Que tu venais à l'église pour le frère? Será que você andava vindo à igreja por causa est-ce que irmão? Tu venais à l'église pour la sœur? Você vinha na igreja por le causa salut irmão? Est individuel. Portanto, a salvação oh, é individual. Je veux écouter un amen. Amen. Amen.
Amen. S'il pouvait avoir un seul sauvé ici, se podia ter somente salvo aqui. E que Deus diz que haverá somente um solo na pedra de fete. E que Deus diz que somente haverá salvo na pedra de cume. Moi, je dirais que c'est moi. Eu diria que sou eu. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Chacun doit dire que c'est lui. Cada vai dizer que aquele salvo sou eu. C'est-à-dire, nous devons combattre de telle sorte que nous soyons meilleurs. Quer dizer que devemos combater para nos tornarmos melhores. Aleluia! Amen. William Branham diz que se Deus me diz que je vais t'envoyer en enfer. E Branham diz que se Deus me dizer que eu vou te enviar no inferno, je continuerai à l'aimer comme avant. Eu vou continuar a amar Deus como antes. Amen. Amen. Même si m'envoie en enfer, même si Deus me envia no inferno, je l'aimerai toujours. Eu o amarei sempre. Mais si j'arrive en enfer avec l'amour de Dieu, et se eu chegar no inferno com o amor de Deus, l'enfer est obligé de me renvoyer. O inferno tem direito de me vomitar. Parce qu'en enfer, il n'y a pas d'amour. Porque lá no inferno não há amor. Et où est-ce que se trouve l'amour? Onde que se encontra o amor? C'est au ciel. É no céu. Donc je suis obligé d'entrer. Eu sou obrigado de entrar no céu. Oh, je ne sais pas dire amen. Amen. Même ici le pasteur peut me blâmer. Pouco importa a repreensão me do pastor. Quelque chose qui m'achoppe. Et pode falar as coisas que me je continuerai à l'aimer comme auparavant. Eu continuarei a amar pastor car como antes. Je sais que c'est un homme. Porque eu sei que ele é homem. Et tout homme est faillible. Et todo homem é falível. Même si toi on te met pasteur ici, même se te pôr aqui o pastor, peut-être tu seras le pire des pires. Et talvez será o pior dos piores. Alléluia! Amen. Même quand Jésus était sur la terre, même quando Jesus estava sobre a terra, les gens ont vu des fautes en lui. Et gente vira faltas nele. Qui peut dire amen? Amen. Comment peut-il chicoter les gens à l'église? Como é possível Jesus vai chicotear as pessoas na igreja? Un homme qui se dit le Messie. Homem que está se dizer ser Messias. L'amour de Dieu. Que é o amor mais de Deus. Il allait parler aux gens tranquilles. Ele podia falar tranquilamente às pessoas. Regardez nos sacrificateurs. Veja nos sacerdotes. Il parle les gens avec amour. Que falamos às pessoas. Mais lui n'a même pas l'amour. Ele, Jesus, não tem nem amor. Il chasse les gens de l'église. Gente da igreja. Il chicote les gens. Ele chicoteia et vous dites que c'est le Messie. Et vocês estão dizendo que ele é o Messie. Je vais vous dire amen. Amen. Mais entre Jésus et les sacrificateurs, entre Jesus e os sacerdotes, qui était dans le vrai? Quem estava no verdadeiro? Je vais écouter l'amen. Amen. Je ne sais pas si vous dites amen. Amen. La même chose que tu fais aujourd'hui, a mesma coisa que tu faz hoje, tu le feras en ce temps-là. Et tu farias naquela altura. Car les hommes meurent, porque homens morrem, mais les esprits, os espíritos subsistem. Je ne sais pas si vous comprenez. Não sei se vocês estão entendendo. Est-ce que vous dites amen? Amen. Même si tu étais au temps de Branham, et même si tu étais au temps de Branham, ce que tu fais vis-à-vis de Monsieur Fuma, o que está a fazer ao respeito do Senhor Fuma, tu le feras au temps de Branham. Tu farias também no tempo de Branham. Qui peut dire amen? Amen. Le problème ce n'est pas Branham ou Jésus. O problema não é Branham ou Jesus. Mais le problème, quel est l'esprit qui est en toi? Mas é o problema, qual é o espírito que está em ti, que está a te animar? Alléluia! Amen. Est-ce que frère, vous comprenez? Será que meus irmãos estão a entender? Le problème ce n'est pas Branham. O problema não é Branham. Parce que au temps de Branham, porque no tempo de Branham, les gens l'ont manqué aussi le respect. A pessoa que lhe faltava et respeito. Et pourtant, ils voyaient des miracles. Et pourtant, elle déjava milagres. Ils voyaient la colonne de feu. Elle viram a mais qu'est-ce qui a fait que les gens le manquent le respect dans son église? O que fazia que gente lhe faltava respeito na sua igreja? C'est l'esprit qui était dans la personne. É o espírito que estava na pessoa. Oh, je vais écouter un amen. Amen. Une jeune sœur sortait avec un mannequin. Et uma moça saía, vivia como le frère Branham appelle la jeune fille. Irmão Branham chamou a moça. Pourquoi est-ce que tu veux sortir avec cet homme? Porque sempre está se admitir com aquele jovem. Il n'aime pas ton Christ. Ele não é o teu Cristo. Il n'aime pas ton église. Ele não ama teu Cristo nem tua igreja. Pourquoi est-ce que tu aimes sortir avec lui? É porque que está se admitir com ele. Écoutez la réponse. Escuta a resposta. Aleluia! Amen.
problème, c'est que ce jeune homme se parfumait exagérément. Et mon problème, c'est que aquel jeune parfumava de manière exagérée. Le problème, c'est qu'un homme qui se parfume exagérément, c'est un efféminé. Le problème, c'est que l'homme qui met beaucoup de parfum est un efféminato. Je n'ai pas entendu un amen. Non, vivons amen. Il n'a pas dit celui qui ne se parfume est un efféminé. Exagérément. C'est parfumer d'exagération. C'est-à-dire, tu es ici, là-bas, tu le sens déjà. Quand il est en train de venir là-bas, vous sentez que bientôt tel sera là. Pas seulement l'odeur du parfum. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Podemos avançar? Qui peut dire amen? Amen. 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 On n'a pas dit aux gens de venir sentir comme les boucs. Não falaram para a pessoa cheirar como bodes. Mas aqui Branham pesa o mot exagérément. Aqui Branham pesa a palavra exageração. Vous devez vous parfumer. É preciso se perfumar. Être présentable à l'église. E ser apresentável na igreja. Parce que chacun de nous dégage une chaleur. Porque cada de nós está. Je veux que tu en amènes. Amen. Et quand il y a dégagement de chaleur, il y a dégagement des odeurs. Et quand il y a libération de calor, il y a libération des pour éviter que celui qui est à côté de toi soit mal à l'aise, et prenons, tu es obligé de se laver, mettre un peu de savon pour que l'autre suive bien la parole. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Et frère Branham dit, pourquoi tu aimes ce garçon? Il m'a dit, na mostra, porque tu ama aquel monstro? Il dit, frère Branham, c'est parce qu'ils sont bons. Il m'a dit, porque ele tá cheirando bem. Oh, je vais écouter un amen. Amen. Et là, frère Branham dit, je préférais qu'un jeune homme qui sont comme, il y a un mot qu'il a utilisé. Eu gostaria de jovem que cheira como amen. Amen. Et avec, il a dit qu'ils sont bons, il a des petits pieds. Et elle se cheira bem com tem pequeno peixe. Le frère Bonham dit que je préférais un garçon qui a des gros pieds. Eu prefiro jovem que tem pés peut-être grandes. Comme un caterpillar. Não é como caterpillar. Et qu'ils sont très mauvais comme la mauvaise ou quelque chose comme ça. Et que cheira mal comme se fosse uma coisa assim. Mais il a le Saint-Esprit. Et que elle tem Espírito Santo. Oh, je veux écouter l'amen. Amen. 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 Parce que je sais qu'il va m'amener quelque part. Eu sei que ele pode me levar a algures. Amen. Amen. C'était déjà un concert de la jeune fille. Era concert da moça. Et plus tard, et mais tarde, ce jeune homme l'a amené dans les bars, elle est devenue aliénée. Mais je sais que dans son aliénation, elle a écouté la voix de Branham lui dire. Et na sua loucura, elle a ouvi a voix de Branham le dizer. Pourquoi aimes-tu un homme qui n'aime pas ton Christ? Porque que tu amas homem que não ama teu Cristo? Le cancer vient d'une manière subtile. O cancro vem de uma maneira assim que você não dá conta. Et vous connaissez le cancer entrant dans l'église? Et você conhece quando entra o cancro na igreja? Il commence à ôter toutes les autres vertus. Ela começa a tirar todas as outras virtudes. Amen. Amen. Je vous disais que c'est cellule par cellule. Et vous disiez que cellule par cellule. Que le cancer va commencer à détruire. Et que le cancer commence à détruire. Or, porém, votre corps est fait de cellules. Et votre corps tient cellule. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. 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 Et nous ici, nous sommes un corps local. Et nous ici sommes un corps local. Le corps de Christ est local. O corpo de Cristo é local. Et chaque membre ici est une cellule de ce corps. Et cada membro é a célula do corpo. Vous suivez bien? Amen. Mais si un d'entre nous rétrograde, et c'est un entre nous. Il devient un danger pour le reste du corps. Elle torna un perigo pour le corpo. Un rétrograde ne parle jamais en bien d'un pasteur. Il ne parle jamais en bien d'une sœur. Et il ne parle jamais en bien de cette église-là. Et ne parle de bien de quelle église. Je veux écouter l'amen. Amen. 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 Tout cela, il est en train de
chercher à détruire les autres cellules du corps. Isso tudo está procurando a destruir aquela outra. Oh, ce que vous voyez, c'est des cellules pour arriver à la pierre de fête. Toda essa virtude são células para chegar na pedra de cume. Et ceci est le corps. Isto significa como corpo. Je vais écouter un amen. Amen. Vous devez surveiller vos cellules. Você deve controlar vossas células. Si la cellule soit de la patience meurt. Se, por exemplo, a célula da paciência morre. Elle devient l'ennemi de d'autres cellules. Elle torna o inimigo das outras células. Car l'ennemi de tout un chacun c'est lui-même. O inimigo de cada é ele próprio. Oh, je vais écouter l'amen. Amen. Et les gens, les ennemis de tout un chacun, c'est les gens de ta propre. Os inimigos de cada de nós são a gente da sua própria casa. Abraham diz, ça c'est une maison de peste. Abraham diz, esta é a casa de peste. Donc, il y a tes ennemis qui sont ici. Quer dizer que há inimigo que está nesta casa. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Les fruits de la chair sont. Les fruits? Les fruits de la chair sont. Et aux fruits de la irmã chair sont. Je vais écouter l'amen. Amen. Les critiques. As críticas. Ils vivent où? Elles vivent onde? C'est dans cette maison. Et nesta casa. Je vais écouter l'amen. Amen. La colère. A ira. Les querelles. Les jalousies. As invejas. Ils sont où? Elles sont onde? Vous croyez qu'ils viendront d'ailleurs? Você pensa que vão vir? Ils sont déjà là. Já estão lá no teu corpo. Voilà pourquoi Branham dit que le premier à vaincre, c'est d'abord toi-même. Branham dit que o primeiro a vencer é você próprio. Alléluia! Amen. Si tu peux te vaincre, você pode vencer você próprio. Le moi. Ok. Aussi longtemps que le moi est là, enquanto que eu tá lá, un doit diminuer pour que l'autre puisse croître. Vai diminuir para você possa crescer. João Batista e Jesus não podiam pas travailler au même moment. João Batista e Jesus não podia trabalhar no mesmo momento. La chair et l'esprit ne peuvent pas travailler au même moment. A carne e o espírito não podem trabalhar no mesmo un momento. Un doit diminuer. Um tem que diminuir. Pour que l'autre puisse. E para que outro possa je crescer. Ne sais pas dire amen. Amen. Mais aussi longtemps que Jean-Baptiste était au service, enquanto que Jean-Baptiste estava no serviço, Jesus ne pouvait pas venir. Jesus não podia vir. Parce que Jean-Baptiste était de la terre. É porque Jean-Baptiste era da terra. Et Jésus était d'en haut. Et Jésus era de cima. Et même ne peut pas travailler au même moment. Os dois não poderiam celui trabalhar no mesmo momento. Celui de la terre doit diminuer. É preciso que terrestre diminua. Oh, je vais écouter l'amen. Amen. Dieu travaillait pendant six jours. Deus trabalhou durante seis dias. Et le septième jour, il faisait quoi? Et no sétimo dia fez o quê? Et qui a travaillé après? Será que Deus est-ce que les deux ont travaillé au même moment? Será que Deus trabalhou au même aussi momento? Longtemps que la chair agit, enquanto que a carta agir, l'esprit n'agira pas. O espírito não vai agir. Je vais écouter l'amen. Amen. Sœur, vous dites amen. As irmãs, será que estão a dizer amen? Voilà pourquoi quand le cancer entre dans l'église. É por isto quando o cancro entra na igreja. Ça se manifeste par le comportement des membres. Manifesta-se através do comportamento dos membros. Vous verrez que l'amour, la communion fraternelle commence à disparaître. Vai ver que o amor, a comunhão fraternelle começa a desaparecer. Parce que ce qui tient que la pierre de fête descende, c'est la communion quoi? O que faz que a pedra de cume desse é o que é a comunhão quando fraternal. Vous voyez que la communion fraternelle commence à vous quitter. E quando a comunhão fraternelle começa a vous deixar. Sachez que le cancer a déjà pris tout le corps. Saiba que o cancro já tomou todo o corpo. Jesus dizia. Aleluia. Amém. Aimez tout le monde. Amai todo o mundo. Si vous n'aimez que vos frères, c'est amar somente vossos irmãos. Les balubas vont aimer les balubas. Os balubas vão amar os balubas iguais. Qui peut dire amen? Amen. Les bakongos vont aimer les bakongos. Os bakongos vão se amar entre eles. Jésus dit, quelle est la chose extraordinaire que tu le fais? Et Jésus dit, agindo assim, qual é a coisa extraordinaire? Parce que les païens agissent de la même heure. Porque os pagãos agem conforme você está agindo. Oh, dites amen. 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 Il dit que aimez même ceux-là qui ne sont pas de votre ethnie. Et Jésus dit que aimez até aquele qui ne pertence à sua tribu. Cette chose que nous avons fui dans le monde.
essas coisas que nós deixamos fugimos no mundo, a nous a suivi jusque dans le message. Nous seguiram até na mensagem. Les Congolais démocratiques entre eux. Os Congolais de Brazzaville entre les eles. Les Congolais de Brazzaville entre eux. Os Congolais démocratiques entre eles. Bientôt ça va contaminer nos frères d'Angola. Isso vai contaminar os irmãos de Angola. Oh, je vais écouter la main. Amen. Et vous verrez que nous allons vivre dans une chambre cancéreuse. Et vont ver que vamos viver num quarto canceroso. Dites amen. Amen. William Branham est notre exemple. William Branham sendo o nosso exemplo. Les sudistes chez eux n'aimaient pas les noirs. Et aux disciples de elle non amava os negros. En Amérique, l'état du sud c'était des tribalistes, des racistes. Na América, na parte do sul era tribalista, separatistas. Branham était du sud. Et Branham pertencia do parte do sul. De la chair. Dans la chair, na carne, mais dans son esprit, il était du ciel. Et no seu espírito, ele era do céu. Qui peut dire amen? Amen. Il dit, je peux embrasser un frère de couleur comme j'embrasse un frère blanc. Ele diz, eu posso abraçar negro da maneira parce que, eu abraço que tous nous venons d'un même père, d'une même mère. Porque todos nós viemos de mesmo pai, de uma mesma mãe. Les couleurs, as cores, ce sont les continents qui ont amené cela. São os continentes que trouxeram isso. Oh, je vais écouter un amen. 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 Qui peut dire amen? Quem pode dizer amen? Est-ce que vous dites amen? Será que vocês estão dizendo amen? Le cancer, quand il entre dans l'église, o câncer, quando entra na igreja, c'est des clans qui commencent. É uma coisa que tem iniciar aí. Parce que les bonnes cellules resteront ensemble, les mauvaises cellules ensemble. E as boas células ficarão juntas e as et más células, células ficarão juntas. Qui sont mortes, e as células mortas vão começar a se atacar a ceux qui sont saines. E vai começar a atacar aquele que está em vida. E eles vão formar um amalgame de chair. Eles vão formar conjunto de carne. Quando vous regardez, même parfois aux appareils, vous ne voyez rien parce que le cancer c'est un amas de chair. Et il m'a pas de ver no microscópio, talvez não vai ver porque é conjunto de carne. Donc vous voyez, c'est des gens qui chantent. E vai ver as coisas que estão aí. Les gens qui viennent à l'église. As pessoas que estão vindo à igreja. Oh, c'est déjà le cancer qui est là. Et quand que já tem cancro lá. Alléluia. Amen. Voilà comment nos maisons, veja como as nossas casas, nos églises, nossas igrejas, sont pleines de cancer. São cheias de cancro. Mais comment vaincre le cancer? Mas como vencer o cancro? Amène les gens à Dieu. Et si tu es, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous abençoe. Si un frère vient me voir, c'est un irmão vem ter comigo. Vous dites frère. Dizer, irmão, en tout cas, j'ai parlé mal de toi. Eu falei mal contra ti. En tout cas, pardonne-moi. Por favor, perdoa-me. C'est que le frère a constaté qu'il avait un cancer. É que irmão constatou que ele tinha cancro. Mais la seule manière pour que le cancer la parte, a única maneira para que desapareça o cancro, c'est d'être sincère envers son frère. É de ser sincero perante seu irmão. Je ne sais pas dire amen. Amen. Aussi longtemps que cette chose n'est pas, enquanto que esta coisa ainda não está, vous perdez votre temps, está a perder o seu tempo, parce que sans l'amour parfait, personne n'entrera. Porque sem o amor perfeito, ninguém entrará. Oh, l'amour parfait ne peut pas venir s'il n'y a pas la communion. Enquanto que o amor perfeito não pode vir, enquanto que não tiver a comunhão fraternal. Uma comunhão fraternal se ao meio de nós nos haïssons. Como que haverá uma comunhão fraternal enquanto que no nosso meio há ódio? Voilà pourquoi Branham est le messager de l'âge de la communion. É por esta razão que Branham é o mensageiro da era il était da avec comunhão les baptistes. Ele estava junto com Batista. Il était avec les pentecôtistes. Ele estava junto com os pentecostais. Vous le voyez partout avec chaque groupe. Branham dit, tu peux dire amen. Amen. Quelque part on lui a dit, et Dieu lui dit, si tu viens chez nous, et le, falar, vire, nous na, na ferons un cercle pour que tu sois dehors. Et vamos fazer círculo para você ficar fora. Et Branham dit merci. Branham dit obrigado. Vous ferez un cercle pour que je sois dehors. Vocês vão fazer círculo para moi je fora. Ferai un cercle dehors pour que vous soyez dedans. Et eu farei círculo fora para você ficar dentro. Je ne sais pas dire amen. Amen. La bonne
bonne position. A boa posição. Quand vous ne voyez plus un frère à l'église, et quand vem um irmão na igreja, ne soupçonnez pas. Quando não vejo um irmão na igreja, não suspeita. Alléluia. Amen. On dirait qu'il ne vient plus parce que. Non. Aquele irmão não está vir, parece. Allez le voir. Vai aquele irmão que está ausentar. Dans la communion fraternelle. Et que la communion nous étions habitués à être en communion. Et tout est habitué. Mais ce dernier moment, je ne te vois plus. Oh, irmão, este que d'écouter ce que les gens disent. Parce que le menteur a toujours son article 1. Et o mentiroso tem seu artigo 1. Peut-être toi, en partant vers lui, ir ter com ele, tu peux le ramener. Pode le levar a tornar à igreja. Je n'ai pas entendu la main. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand il a commis, souvent un complexe entre en lui. Non pas qu'il veut fuir l'église, mais un complexe entre en lui. La honte est un démon. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Abraham continue à dire, il dit, elle dit, les mémorieux de Dieu éprouvés au fil de temps. 152. Il y a une telle personne ce soir qui se sent qu'en ce temps-ci de test. A cause que se fait neste tempo aqui de test. Dieu l'a jamais trouvé fidèle à son poste de devoir. Deus nunca l'a achou fiel no seu posto de trabalho. Quand des discussions sont soulevées. Quando discussões são levantadas. Vous en mêlez-vous? Et vous levez onde? Directement, ils ne prennent pas. Et directement, nous tomons quand parte. Quand les querelles se lèvent. Quand les contentes levantent. Quand l'indifférence, quand les divisions surviennent dans l'église. Quand l'indifférence, division vous rangez-vous derrière des cultes. Et des clans. Et des groupes. Et des choses semblables. Et des choses semblantes. Prêtez-vous oreille aux commérages sur la rue et aux alentours. Et parlant de fofocas na rua ou das si vous en êtes coupable, se tu es culpado, vous avez été emporté par le souffle du diable. Et foi levado pelo fôlego do diabo, pelo retournons vento do diabo. Au four ce soir et, vamos voltar no forno et soyons refondus. Et, para ser refondido. Et sortons-en sans cela. Et nous vamos sair sem passar que nisso. Dieu nous filette et nous apprête pour ce grand pont. Et que Dieu nous prépare afin d'accomplir son enlèvement. Et afin de cumplir si seulement une telle personne est ici, qu'elle voudrait qu'on se souvienne d'elle. Et si tu verras cette personne ici, qu'elle pense pour nous lembrarmos d'elle. Je veux écouter un amen. Amen. Voyez. Estamos a ver. Le cancer. O câncer. Est une maladie qu'on ne peut soigner par aucun docteur. É uma doença que não pode ser tratada. Com nenhum doutor. Je vais écouter un amen. Amen. Aucun guérisseur. Nenhum curador. Il n'y a que William Marion. Há somente William Marion Branham. Mais ce soir, nous avons toujours William Branham. Esta tarde sempre temos William Marion il Branham. Il est parti. Ele foi. Mais sa parole est là. Mas a sua palavra está aqui. Si nous prenons la parole au mot. Et si tomamos a palavra em palavra, l'église ne sera plus vide comme ça. A igreja não ficará mais vazia assim. Oh, je n'ai pas entendu un amen. 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 Le commérage. As fofocas. É l'une des choses qui nous tue. É uma das coisas que nos mata. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Question-réponse 59, 42. Il dit, et le diable veut prendre le pouvoir sur nous pour nous faire agir sous son contrôle. Et le diable peut tomber le pouvoir sur nous pour nous faire agir sous ainsi, son contrôle. Ainsi, lorsqu'il revêt une apparence modérée, elle apparaît comme une apparence modérée, bénigne, mansant. Voilà comment le cancer bénigne agit. Et veja como esse cancro benigno il age. Commence avec le péché. Ele começa com o pecado. S'il peut le maintenir dans une position d'homme juste. Ele pode le manter numa posição un homme bon. Um homem bom.
Et les laisser aller de l'avant, essayer d'être bon de cette façon-là. S'il peut le maintenir comme cela jusqu'à sa mort, c'est exactement ce qu'il recherche. Il le tient parce que peu importe combien vous êtes juste, combien vous êtes bon, combien vous êtes moral, combien vous êtes pur, combien vous êtes honnête. Vous n'irez jamais au ciel à moins d'être né de nouveau. Jésus l'a dit, il n'y a pas. Vous devez naître de nouveau. Voilà le concert bénin. Oh, je veux écouter l'amen. Amen. Il vous laissera venir ici coucher avec les sœurs qui sont je veux écouter un amen. Commencez à chercher les comment on l'appelle à influencer tes frères. Et commencer à influencer les irmãos. Qui peut dire amen? Amen. Être à l'église mais vivant une vie qui n'est pas digne. Estar na igreja mas vivendo uma vida impura. Mais celui-là le fait ouvertement. Et à quelle fois ouvertement? Parce qu'il n'est pas, c'est-à-dire lui, il a un conseil. Mais ce conseil-là est bénin. Elle contrait ou ce cancre bénin. Il peut injurier les gens. Elle peut offenser les soldats. Oh, je veux écouter l'amen. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Mais celui-là est facile à être sauvé. Parce que le conseil bénin, on peut l'enlever et la personne est sauvée. Mais le plus mauvais conseil, c'est l'hypocrisie. C'est ça le conseil malin. Je veux écouter l'amen. Amen. 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 Ton pasteur qui t'amène la vie éternelle, tu le critiques. Et tu viens, tu l'écoutes. Et il te dira plus. Parce que Frère Bonhomme dit que la seule chose qui fait que je puisse vous aider, c'est que j'ai besoin de votre confiance. Si la confiance de votre pasteur vous quitte, quel que soit ce qu'il fera, vous ne verrez que le diable. Je vais écouter l'amen. Amen. Parce que la confiance vous a. Porque assim a confiança já vos deixou. Amém, amém. 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 Ayez le courage des gens de l'Équateur au Congo démocratique. Tenha as coragem como as pessoas do Equador lá no Congo Democrático. Ces hommes-là, je les aime en général. Aqueles homens em geral, eu amo. Il y a toujours des hypocrites, mais j'aime ces hommes-là en général. C'est des hommes qui ne sont pas hypocrites. Et c'est des hommes qui ne sont pas hypocrites. S'il veut te parler, il te parle. C'est-à-dire qu'il parle à toi, te fait la cara. Quelle que soit la manière qu'il t'a parlé, mais il t'a parlé. Elle est pas comporte, elle j'ai parlé, j'ai te parlé. Qui peut dire amen? Amen. Tu connais sa position. Et vous connaissez sa sua position. Voilà les gens que nous avons besoin. Un homme ne tirait jamais les écureuils derrière le dos. Un homme disait, je voulais toujours tirer en face. Et l'écureuil doit connaître qu'il va mourir. Mais nous sommes les enfants de Malachie 4. Je vais écouter l'amen. Amen. Si nous devons parler, parlons en face. Devons parler et parler cara à cara. Mais parlons au dos et grillons avec moi en face, c'est ça le conseil malin. Parler às costas et assim d'hypocrisie, isso é o cancro maligno. Je vais écouter l'amen. Amen. Nous venons ici pour aller où? Au ciel. Nós viemos aqui para ir onde? Ao céu. Mais Frère Bonhomme dit que ce que tu es ici, tu l'es quelque part. Abraham dit que tu ne estás aqui, mais tu es algures. La mort ne change absolument rien. A morte não muda absolutamente nada. Il t'amène que dans ta destination. A morte te leva no teu destino. Oh, je vais écouter un amen. Amen.
frères. Est-ce que vous me suivez bien? Irmãos, será que estão me a seguir muito bem? Se vous me suivez bien, as irmãs, le temps est arrivé où chacun doit se mettre en ordre avec Dieu. Tempo chegou onde cada vai se pôr em ordem com Deus. Comment je me mettrai en ordre avec Dieu? Et como que vou me pôr em ordem com Deus? Qui peut dire amen? Amen. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu? Como é que você pode dizer que você ama Deus? Si vous n'aimez pas celui que vous voyez. Enquanto que tu não ama aquilo que tu vê. Je vais écouter l'amen. Amen. Dieu est invisible. Deus é invisível. Vous dites l'aimer. Você que eu amo. Mais maintenant la personne qui rend Dieu visible, é a pessoa que manifesta Deus visível. Tu l'aimes pas. Tu não ama. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amen? Si la bouteille là est sale. Se esta garrafa é suja. Quel que soit le contenu qui est propre. Pouco importa o conteúdo que é je limpo, ne veux pas l'aimer. Eu não posso amar. Qui peut dire amen? Amen. Parce que déjà ce que je vois me donne un dédain pour ce qui est à l'intérieur. Porque o que estou a ver no interior é impuro, é lixo. Je ne sais pas dire amen. 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 Mais pour aimer ce qui est à l'intérieur, je dois d'abord aimer le contenant. Ama a garrafa. Eu tenho que amar primeiro a garrafa. Aimer le contenant. Ama a garrafa. Voilà pourquoi Dieu a dit à frère Branham. É por isso que Deus disse à irmã Branham. Voilà pourquoi Dieu a dit à frère Branham. É por isso que Deus disse à irmã Branham. Tous ceux qui t'ont aimé. Todo aquele que te amaram. Qui peut dire amen? Amen. Je te l'ai. Eu te dei o erro com ela. Aimer la bouteille. É mesmo a garrafa. C'est aimer ce qui est où? Amar o que está no interior. Si vous aimez Jésus, se você amar Jesus, commencez à aimer la bouteille. Comece a amar a garrafa. Si vous aimez Jésus, se você amar Jesus, commencez par aimer Fuma. Comece a amar o pastor si Fuma. Vous aimez Jésus, se você amar Jesus, commencez à aimer ta soeur. Comece a amar tua irmã. Si vous aimez Jésus, se você amar Jesus, commencez à aimer ton frère. E comece a amar teu irmão. Car Jésus a dit. Pour que Jésus dise. Alléluia. Amen. Beaucoup en ce jour-là. Et pour que naquele dia. Viendront. Et viendront. Viendront. Viront. Et diront. Et diront. À quel moment nous t'avons vu nu? Et quel moment te vimos do ser nu? Et nous t'avons pas donné les habits. Et que nous te deram de vestir. À quel moment nous t'avons vu affamé? Et quel moment te vimos affamado? Que nous t'avons pas donné la nourriture. Et nous te demos de comer. En ce jour-là, c'est aujourd'hui. À quel dia é hoje? Et je le dirai. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes disciples, et cada vez que você fizer a um de meus disciples, c'est à moi que vous l'avez. É a mim que você fizeram. Un homme est allé au ciel. O homem foi ao céu. Il voulait voir Jésus. Ele quis ver Jesus. Il a trouvé les anges. Ele encontrou os anjos. Il dit où est Jésus? Ele perguntou onde está Jesus. Les anges ont dit oh. Mais tu l'as laissé sur la terre. Você le deixou sobre a terra. Il dit il est où? Onde que il está? Il est dans le cœur de tes frères et de tes sœurs. Está no coração de teus irmãos e de tuas voilà irmãs. Voilà pourquoi. É por isso. La venue de Jésus, ce n'est pas nous qui montons. É o prêmio de Jesus, que nós nos car subimos. Il a dit à Branham. Porque ele disse a Branham. Branham me dit je veux voir Jésus. Branham disse eu quero ver la Jésus. La voix lui a dit ce n'est pas toi d'aller vers lui. Não é para você ir a ele. Mais c'est lui qui viendra vers toi. É ele que virá a ti. Et si Branham est parti. Et si Branham foi. Sans que Jésus ne vienne vers lui. Sem que Jésus venha a ele. La voix là a trompé. Aquela voz já enganou. Alléluia. Amen. Parce que Jésus. Por que Jesus. Devait d'abord venir à qui? Deveria primeiro vir a quem é? Et les saints qui étaient au ciel. É aquele que estava no céu. On dit nous nous reposons là-dessus. Ele disse, vamos se reposar sobre isso. Qui peut dire amen? Amen. Est-ce que si ceux de Paul entrent? Será que c'est à quel de Paul entrar? Les miens entreront. Os meus entrarão. Qui peut dire amen? Amen. Voilà, Branham dit les miens et les chrétiens sans hypocrisie. Et Branham dit que os meus são os cristãos sem hipocrisia. Est-ce que frère, on peut continuer? Irmão, será que podemos continuar? Sœur, vous me suivez bien? As irmãs, estão me seguindo bem?
Le cancer malin est comme un crabe. Et le cancer maligne est comme un caranguenzo. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Quand vous coupez là, je suis en train de couper. Et je suis à cortar, comme je suis à cortar. Et voilà, il va changer de forme. Et il a déjà traversé. Ouais, mudar a forma, já voilà traversou. Pourquoi les mystères, à un certain moment, on doit les mettre à côté. É por isso, num momento, mistério vão por Parce lado. Que chacun de nous ici connaît le grand mystère. Porque cada de nós aqui conhece o grande mistério. Et le grand mystère, nous le connaissons, c'est le septième sceau. O grande mistério que nós conhecemos é o sétimo selo. Mais est-ce que le septième sceau pouvait être révélé? Será que o sétimo selo deveria s'il ser n'y avait revelado? Pas un vainqueur? Et si nous tivesse un vencedor? La Bible dit. La Bible dit. Celui qui vaincra. Aquel que vencerá. Je lui donnerai un caillou blanc. Et on le donnerai une pierre blanche. Dans lequel est écrit un nom. Au quoi está o nome? De pour que la pierre de fait descende. Et pour que la pedra qui est le desse, caillou blanc. Et la pedra blanche. Il a fallu d'abord que Branham puisse vaincre. Era preciso que Branham vencesse. Et Branham a vaincu où? Et Branham venceu onde? Il est en train de prêcher. Ele está a pregar. Un jeune garçon s'embrassait dans l'église. Uma moça e moço abraçavam-se dentro da igreja. Oh, je vais écouter un amen. Amen. William Branham dit jeune homme. Branham dit, oh, jeune homme. Fille. Moça. Si vous voulez faire l'amour, allez dans un hôtel. Et ici, c'est l'église. Aqui na igreja. Branham dit, plus il le disait, et mais qu'elle parlait assim, elle disait, plus le garçon étreignait la fille. Et mais que o jovem abraçava jusqu'à ce qu'une voix a dit à Branham, dit quelque chose. Até que uma voix disse à Branham, prononce quelque chose. Prononcie algo pra si ele. Tu dis cécité, et se for uma cegueira, alléluia, amen, il sera aveugle. Elles ficaront si cegues. Tu dis mort, c'est tout pour leur morte. Ils vont mourir. Elles vont mourir. Le test était donné à Branham. Au test. Branham dit que je transpirais. Et dans quel moment je transpirais? Ne savais pas ce qu'il fallait dire. Et on ne savait aucun que vous parlez. Mais subitement sorti de ma bouche. Et subitement sorti de ma bouche. Je vous pardonne. Et je vous pardonne. Ah. Et la voix dit, et la voix dit, c'est ce qu'il fallait dire. Et la chose qui devrait être dite. Est-ce qu'il y a le pardon au milieu de nous? Será que há perdão no nosso meio? Le pardon et l'amour marchent. O perdão e amor anda junto. Qui peut dire amen? Amen. Le pardon, c'est le troisième. O perdão é a terceira puxada. Nous crions sur le troisième épaule, mais nous ne savons pas le pardon. Estamos a gritar sobre a terceira puxada, mas não sem saber o que é o perdão. Troisième épaule, wow. É a terceira puxada. Oh. Mais est-ce que le troisième épaule est venu seulement qu'on l'écoute? Et será que a terceira puxada le troisième épaule est une vie. A terceira puxada é uma vida. Amen. Amen. Le troisième épaule s'est prononcé quoi? A terceira puxada é que é mais quelle est la parole que tu prononces vis-à-vis de ta soeur? Qual é a palavra que pronuncia diante da sua irmã? Vis-à-vis de ton frère? Et diante de seu irmão? Est-il une parole de bénédiction? Será que é uma palavra de bênção? Dites amen. Diga amen. Est-ce que vous dites amen? Será que você diz amen? Amen. Amen. Voyez comment le cancer a commencé à ronger nos églises. Et veja como o cancro começou a roer nossas igrejas. Le pasteur prêche. O pastor prega. Dès qu'il sort, il se retrouve en groupe. Et quand il sort, groupe aí. Il commence à checker la prédication du pasteur. Ele começa a dar aí. En principe, c'est pas coisa, comme ça qu'il devait dire. Ah, o pastor não podia dizer assim. En réalité, c'est comme ça. Ele deveria falar assim. Non, frère Branham ne nous a pas enseigné ça. Oh, irmão Branham não nous enseigne. Il a dit, si vous voyez que je pas. Isso não nos ajuda. Oh, je n'ai pas entendu un amen. 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 L'amour et le pardon sont. O amor e o perdão são parentes ou são um. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? La foi et l'amour sont. A fé e o amor são. Vous ne pouvez pas pardonner.
Se não pode perdoar. Si vous n'avez pas la foi. Se não tiver a fé. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amen? Vous verrez que dans ces couleurs aussi, la seule couleur qui se retrouve là, a única cor que se encontra c'est là, la même couleur de la foi. É a cor da fé. Qui peut dire amen? Amen. Car tout cela, ce sont les enfants de la foi. Porque tudo isso são filhos da fé. La foi a enfanté la vertu. A fé, la vertu a enfanté ceci. A virtude, cela, cela, ciência, ce... Tout le grand-père ici, là, c'est la foi. Et o avô aqui é a fé. Qui peut dire amen? Amen. Oh, la foi, ora, a fé, c'est la démonstration des choses invisibles. É a demonstração das coisas Est-ce invisibles. Est-ce que ton cœur, je le vois? Que ton cœur est invisible. Mais ta foi Mas a sua rend fé réel ce qui est dans ton cœur. Et fais la montre d'aquilo que tu as no teu coração. Tu es toujours là à critiquer. Sempre à critiquer. Aí, communion fraternelle, ce n'est pas ton problème. Ça prouve qu'en toi, il n'y a pas la foi. Prova que em você não tem a fé. Car dans le cœur, il n'y a que deux choses. Et no coração, somente duas coisas. Si ce n'est pas la foi, se não for a fé, c'est l'incrédulité. Et à incrédulité. Et chacun de nous est devant un libre arbitre. Et cada de nós tem a livre escolha. Adam était devant un libre. A nós é dado a cada a livre de escolher. Dieu lui a dit si tu manges. Dieu lui dit si tu manges. Et Dieu lui dit tu comer. Tu mourras. Tu mourras. Si tu ne manges pas. Se tu não comer. Tu garderas la vie. Tu guarderas a vida. Le frère Branham dit que chacun de nous devant est libre. Irmão Branham diz que Donc, cada à toi de choisir. A escolha dele. De rester dans cet esprit. É para você escolher ficar ou naquele espírito. Ou encore accepter la parole. Oh, tu vas accepter la palavra. Qui peut dire amen? Amen. Quand Lazare est mort. Et quand Lázaro morreu. Jésus n'est pas venu enlever les cailloux. Jésus não veio tirar a pedra. Pour appeler Lazare de la tombe. Et para chamar Lázaro do túmulo. Il a demandé aux intéressés. Ele pediu aos interessados. Enlevez la pierre. Você estira a Et pedra. Ensuite la voix va entrer. Et en seguida que a voz Et vous aussi vous devez enlever votre incrédulité vous-même. Você também tira a tua própria incredulidade. Contre la décision. Et tomar a decisão. Pour que Lazare sort. Et para que Lázaro saia. Et la voix de Jésus ne pouvait pas entrer dans la tombe aussi longtemps qu'il y avait la pierre. Et a voz de Jésus não podia entrar no túmulo enquanto que a pedra Ce soir, mon frère et ma soeur. Esta tarde, minha irmã, minha irmã. Enlevez votre position qui n'est pas la parole. Tire à toi position que nous est la parole. Je n'ai pas entendu l'amen. Nous estamos virando amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. 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 Si vous n'enlevez pas ça, et se não tirar aquilo, vous resterez dans la tombe. Et ficará no túmulo. Il est quelle heure là-bas? 18h juste. Nous sommes encore à 18h juste. Estão 18 pontos. C'est aussi le 1er mai. Hoje também é o dia 1 de maio. En principe, l'église devait être pleine. Em princípio, a igreja ficaria cheia. Je veux écouter la main. Amen. Parce que la majorité n'ont pas travaillé. A maioria não trabalharam, não é? Posez-vous la question pourquoi les gens ne viennent pas. Coloca-te a pergunta por que as pessoas não estão a vir. Qui peut dire amen? Amen. Vous voyez, c'est le manque de réveil. É a falta de réveil. Et les gens ont l'esprit que pour aller à l'église, il faut le dimanche. Ele sabe que o Espírito vai falar na igreja também no domingo. William Branham diz que é que faz que os esquimos recebem muito da palavra. E o que faz que os esquimos recebem muito da palavra? É porque eles fazem um sacrifício. Porque ele anda fazendo um sacrifício. Ele quitte très loin dos amorcelements de neige. Ele sai longe aí nas neves. Ils vendent leur peau qui devait les aider à certainement se couvrir. Ele deixa aquela pele que deveria lhe ajudar a se cobrir. Ils vendent cela et appellent les autres pour venir écouter la parole. Eles vão chamar os outros para vir ouvir a palavra. C'est ce qui fait qu'ils reçoivent beaucoup. O que faz que os esquimos recebem muito. Voilà pourquoi sans sacrifice il n'y a pas bénédiction. É por isso sem sacrifício não há bênção. Amen. 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 Sans sacrifice, il n'y a pas quoi? Sans sacrifice, nous avons bénissons. Pour que nous soyons bénis, il a fallu le sacrifice suprême.
Para nós ser abençoado, era preciso o sacrifício Jesus supremo. Jesus devia donar quoi? Sa vie. Jesus deveria dar o quê? A sua vida. Tu fais dire amen. Amen. Jésus est mort pour que toi tu vives. Jésus mourut pour que tu vives. Toi aussi tu dois mourir pour que Jésus vive. Tu também deve morrer para que Jesus viva. Je ne sais pas dire amen. Amen. Sans la mort, il n'y a pas de vie. Sem a morte não há vida. Moi là, et aller le voir pour demander pardon. Et pas y pedir perdão nele. Avec elle. Et com ela. Jusqu'au jour qu'on va mourir. Até no dia que vamos morrer. Il y a encore le moi qui est là. Ainda eu tá lá. La mort en soi, c'est ce qui produit la vie. Et a morte em si próprio, isso que produz sans a vida. La mort, il n'y a pas de quoi. Sem a morte não tem o quê? A vida. Tu as mangé le poisson aujourd'hui? Para você conseguir comer peixe hoje, la viande, para comer a carne, mangé les légumes, para comer os legumes, toutes ces choses devaient mourir pour que toi tu puisses avoir quoi? Essas coisas deveriam morrer para você conseguir a vida. Et toi tu veux avoir la vie sans mort. Você também na sua vez quer conseguir restez a vida sem a morte. Toujours le même. Mas tu és sempre o mesmo. Il n'y aura jamais de vie. Assim nunca vai Et ter a vida. Christ est la vie. Cristo é a vida. Oh, je veux écouter la même. Amen. Et William Branham. Et William Branham. Après qu'il a prêché, depois de tel pregar, les gens étaient convaincus. As pessoas ficaram convencidas. On a vu des cancers être crachés. Et vimos o câncer ser cuspido. Est-ce que le même Branham n'est pas encore en train de nous parler aujourd'hui? Et o mesmo Branham pode nous parler até hoje? Toi aussi tu peux cracher ce venin là qui est dans ton âme. Pode cuspir aquela coisa que está na tua alma. Branham a dit en Afrique du Sud. Et Branham chegou em África do Sul. Je m'en vais, je reviendrai. Eu vou voltarei. Et Branham est allé mourir. Et desta vez ele foi morrer. Est-ce que Branham a trompé? Será que Branham enganou? Mais il est ici ce soir en train de vous parler. Ele está aqui esta tarde a vos falar. Parce que celui qui parlait. Porque aquele que falava. N'était pas la chair. Não foi a carne. Mais c'est la colonne de feu. Mas é a coluna de fogo. La même colonne de feu. A mesma coluna elle de fogo. Est en train de vous parler ce soir. Está a vos falar esta tarde. Si y a eu résultat. Se houve resultado. Là où Branham a parlé. Il y aura un résultat ici. Haverá também resultado aqui. Nous sommes Branham dans la continuité. Et somos Branham na continuação. Alléluia. Amen. 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 Ce qu'il avait fait avec Jésus. O que fez com Jesus? Il a fait avec les apôtres. Ele fez com os apóstolos. Ce qu'il a fait avec Branham. O que ele fez com Branham? Il le fera avec moi. Ele fará comigo. Il le fera avec toi. Ele fará contigo. Mais le problème qui est ici. Mas o problema que está aqui. Ôtons la pierre. Vamos tirar a pedra. Pour que la voix pénètre. É para que a voz penetre. Dieu ne veut pas te voir dans cet état. Deus não quer te ver neste estado. Dieu ne t'a pas créé pour avoir de mauvais esprits. Deus não te criou para ter maus espíritos. Dieu t'a envoyé sur la terre pour une seule cause. Et Deus te enviou na terra por uma causa. C'est porter sa parole. É de levar a sua palavra. Mais le diable est jaloux. Mas o diabo é invejoso. Voilà pourquoi il veut te garder dans cette position. Ele por isso quer te guardar nesta posição. Mais le temps est arrivé. O tempo chegou. Comme le fils prodigue. Et comme o filho prodigue. Lève-toi. Levanta-te. Si le temps est venu à repartir au Père. Et tempo chegou para mim voltar no Pai. Alléluia. Amen. C'est ainsi nous voulons voir, frère. Et desta maneira que nós queremos ver, irmão. Je ne sais pas si jusqu'à la fin je vais vous prêcher les mystères, mais le grand mystère c'est celui-là. Não sei se no fim vou explicar mistério, mas o grande mistério são essas coisas. Le mystère. O mistério. Alléluia. Amen. De la sincérité. O mistério da sinceridade. Amen. Amen. Il y a eu un jeune homme qui avait tué le fils du roi. Houve um jovem que tinha matado o filho do rei. On l'a mis en prison. Ele il attendait preso. Le roi pour qu'il soit exécuté. Ele esperava a lei para Mais ser le jour où le roi est allé le voir en prison, ele, um dia que o rei foi visitar il prison, a dit, roi, je reconnais que j'ai tué ton fils. O rei reconhece de ter matado seu filho. J'ai mal fait. Eu agi mal. Oh, je veux écouter un amen. Amen. Je mérite la mort. Eu mereço a morte. Tu as raison de le me tuer. Tem razão de cette me vérité là, esta cette que sincérité là, esta sincérité a touché le roi. Tocou o coração le roi l'a remplacé à la place de son fils. Et o rei o
substitué au lieu de Pourquoi était-il remplacé? Alléluia! Amen. Lui qui ne méritait pas être prince. Elle que non merecia ser mais príncipe. À cause de la sincérité, mas porque a sinceridade, alors qu'il avait tué le fils du roi, enquanto que ele tinha matado o filho do rei, il est devenu prince et héritier. Elle tornou príncipe herdeiro. Ces choses-là sont écrites dans le message pour nous servir d'exemple. Isso foi escrito na mensagem para nos servir como exemplo. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit a voulu dire. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito vos disse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous abençoe. Amen. Amen. Suivez-moi. Si, quand même. Je vais chanter, vous chanterez. Amen. Lève-nous. Quel cantar vous cantarez? Suivez comment je vais chanter ça. Accompagne comment je vais cantar. Dans mon cœur, il y a la haine. Meu coração há ódio. Dans mon cœur, il y a la haine. Meu coração há ódio. Mais Jésus, Jesus, donne-moi ton amour. Dá-me teu amor. Apprends-moi. Aprende-me. À aimer. E amar. Amen. Amen. On va partir. Dans mon cœur, il y a la haine. Allons-y. Vamos. Dans mon cœur, il y a la haine. Suivez-moi. Dans mon cœur, il y a la haine. Dans mon cœur, il y a la haine. Mais Jésus, donne-moi ton amour. Apprends-moi à aimer. Dans mon cœur. Il y a la haine dans mon cœur. Il y a la haine. Mais Jésus, donne-moi ton amour. Apprends-moi à aimer dans mon cœur. Dans mon cœur. Il y a la haine dans mon cœur. Il y a la haine. Mais Jésus, donne-moi ton amour. Apprends-moi à aimer. Dans mon cœur, il y a les querelles. Dans mon cœur, il y a les querelles. Mais Jésus, donne-moi ton amour. Apprends-moi à aimer. Oh, dans mon cœur, il y a les querelles. Dans mon cœur, il y a les querelles. Mais Jésus, donne-moi ton amour. Apprends-moi à aimer. Dans mon cœur, il y a les jalousies. Dans mon cœur, il y a la jalousie. Mais Jésus, donne-moi ton amour. Apprends-moi à aimer. Suivez maintenant. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Apprends-moi. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Apprends-moi à aimer. Oui,
garde ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas la haine? Est-ce qu'il n'y a pas de jalousie? Est-ce qu'il n'y a pas de critique? Est-ce qu'il n'y a pas les choses de ce monde? Mais ces choses-là peuvent être changées en amour. Est-ce que tu es incapable de dire à Dieu, Seigneur, ôte-moi ces choses. Seigneur, tire de moi. Le conserve dans ma vie. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. À être sincère. À ser sincero. Enlever l'hypocrisie. Tire l'hypocrisie. Laisse que je puisse avoir la vérité dans ma langue. Et que tu obtiennes cette la vérité. Afin d'être juste devant toi. Et afin de ser juste devant toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Prions tous le Seigneur. Oremos todos, Seigneur. Seigneur Jésus, nous prions. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la bénédiction qui remonte de l'éternité. Merci Jésus-Christ notre Père, tu es béni pour l'éternité. Aide-moi Jésus, en moi qu'il puisse avoir la sincérité, en moi qu'il puisse avoir la vérité, savoir la vérité. Car tu as promis que la vérité nous affranchira. Dans mon cœur, il y a la joie.
je vais t'aimer. Oh, je vais t'aimer. Je boy, my bena boy, kosa no, yangonde nazali, kosa no, la muna ningi, kosa no, wala kutipi,
éternel, notre Père et notre Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu. Nous savons que Seigneur, l'ère de l'Odyssée, c'est l'ère du cancer. Sabendo que esta era de la Odisseia é a era de Canco. Les hommes sont devenus tellement hypocrites, Seigneur. Et os homens tornaram tão corrompidos, Senhor. Parce que c'est là où le diable se révèle comme la mort. É lá onde o diabo se revela como a morte. C'est ça la couleur pâle. Isto que é a cor é amarelinha. C'est ça un peuple sans position. Isto que é povo sem posição. Mais en ce jour, Seigneur, nous venons devant ta divine présence. Et neste jour, neste dia, viemos na sua divina presença. Décréter notre hypocrisie avec sincérité. Et mostrando nossa hipocrisia com a sinceridade. Décréter, Seigneur Jésus, ce que nous avons fait près de notre frère et près de notre sœur. Lamentando daquilo que nós fizemos para nosso irmão, para nossa irmã. Oh Dieu! Oh Deus! Amène la sincérité dans nos cœurs. Traga a sinceridade nos nossos corações. Mets la vérité dans nos cœurs. Ponha a verdade, Senhor. Il est écrit dans ta parole. Está escrito na tua palavra. Vous croirez la vérité. Vos conhecereis a verdade. Et la vérité vous affranchira. E a verdade vos libertará. Affranchis-nous de la loi du péché. Nous fais-je libertar da lei do pecado. Ne nous laisse pas repartir tel que nous étions venus. Não nos deixa voltar da maneira que nós viemos. Laisse qu'un élément surnaturel prenne place dans nos cœurs. Deixa que elemento sobrenatural tome lugar nos nossos corações. Afin que la communion fraternelle soit sincère au milieu de nous. E que a comunhão fraternal seja sincera no nosso meio. Hors de nous, au nom de Jésus-Christ, le cancer. Fora tira de nós, em nome de Jésus-Christ, o sangue. Là, mon frère que je haïs. No irmão que eu odeio. C'est celui-là dans lequel Jésus est mort à la croix. É aquele que Jésus morreu na cruz. Aide-nous, Seigneur. Ajude-nos, Senhor. Nous sommes tous coupables. Todos nós somos culpados. De la chair jusqu'au dernier banc. A partir do púlpito até no último banco. Nous avons besoin de toi. Nós precisamos de ti. Viens à notre secours. Vem ao nosso socorro. Viens nous secourir, Seigneur. Vem nos socorrer, Senhor. Car notre secours vient d'en haut. Porque nosso socorro vem de cima. Oh Dieu de gloire. Oh Deus de glória. Nous croyons que Seigneur. Nós cremos que Senhor. C'est le temps de la décision. É o tempo da decisão. Nous voulons prendre la décision. Nós queremos tomar a decisão. De te servir, Seigneur. De te servir, Senhor. Aide mon frère. Ajuda meu irmão. Aide ma sœur. Ajuda minha irmã. Celui qui a quelque chose contre son frère ou sa sœur. Aquele tem algo contra seu irmão, contra sua irmã. Permita qu'il ait le courage de l'arranger. E permita que tenha o coragem de arranjar. Afin de voir le réveil dans l'église. E faça levantar o revivimento na esposa. Merci Jésus Christ notre Père. Obrigado Jesus Cristo nosso Pai. Tu bénira l'offrande et la dîme. Et abençoe de dîme et offerte. Alors que nous devons entrer. Et quand devons voltar. Va avec tout un chacun. Vai com cada um. Souviens-toi du pasteur qui est à Brazzaville. Et lembra do pastor que está em Brazzaville. Il se prépare à aller aux États-Unis. Ele prepara-se na sua viagem. L'honneur, la gloire. Honra e glória. Te soit rendu. Seja rendida a ti. Au nom de Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amen. Saluez le plus grand nombre de mains que vous pouvez saluer. Même celui que vous sentez que vous n'avez pas l'habitude. Levez-vous, mes soeurs. Déplacez-vous. Saluez le plus grand nombre de gens que vous pourrez saluer. Vous brisez les indifférences. Saluez-les. Les soeurs du devant, les derrière, ceux du derrière, venez devant. Brisez cet esprit. Tu dois être libre ce matin. Oh, Soria. Tu l'as toujours haï, essaie quand même de le saluer. Essaie de l'embrasser. Tu chasseras ce démon-là. Ah,
cantando para o Senhor. Amém. 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 Que Deus vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Bien, je veux bien vous qui êtes là. Vós que sois aqui. Dites au frère Dieu merci sa femme. Diga irmão, Dieu merci je veux les croiser ici vendredi. Eu preciso da après la prédication et le frère Silva et sa femme. Vão dizer ao casal, Dieu après merci, le culte, e Silva depois do culto de sexta-feira, eu preciso conversar com eles. Amen. Amen. J'aimerais aussi que le frère Carlos soit là. Gostaria que Carlos. Il faudra qu'il soit là. É preciso que o irmão Carlos esteja lá. Carlos... Je suis quand même indigné de vos huissiers. Eu estou indigno do meu je portain. Suis là depuis mardi. Estou là desde quarta, je ne vois aucun chez moi. Não estou vendo nenhum porteiro lá onde que eu estou hospedado. Le frère Yves passer parce que Wana vient aí. Yves parce que porque mais tu n'es pas venu là-bas comme huissier. Não vem lá visitar mais como porteiro. Quoi? Nous allons travailler comme ça? Meus porteiros, vamos trabalhar assim. Tous les problèmes qu'il y a ici, je dois être au courant, le président. Tu dois me dire qu'il y a un problème comme ça. Todos os problemas que estão a ocorrer aqui, eu tenho que tomar conhecimento. Moi, quand je suis là, je suis à Nice. Enquanto que estou aqui, eu estou como a Nice. Est-ce que vous me comprenez? Será que estão a entender? S'il y a des histoires, c'est un problème, je histoire. Dois les connaître. Eu tenho que tomar conhecimento. Par la grâce que Dieu a mis en moi, et, grâce de Deus em mim, je peux aussi me mettre au service. Eu posso me colocar em serviço. Moi, je ne crois pas où c'est qui vient se mettre dans les portes après ils vont pour non, revenir prochainement. Les administrateurs, achetez-moi un gros cahier. Administradores, compra-me grande caderno. Ah, le genre registre. É tipo registro. Chaque jour que je viendrai au culte. É todo dia que eu virei aqui no culto. Ou chaque dimanche. Pour cada domingo. Je dois lire le rapport des huissiers dans les quartiers. Ler o relatório dos porteiros avec no les bairros. Numéros de téléphone de ceux qu'ils ont visités. Os números dos telefones das mais pessoas que eles visitaram. Pour aider le pasteur. Il y a des histoires que le pasteur, il y a des histoires qui se passent, le pasteur ne connaît pas. A coisa que ocorre, vous devez visiter les gens dans le quartier. É preciso os porteiros visitar as crentes. Et vous faites compte rendu à votre pasteur et, depois, et votre président. Et, au président, au et président. Il met ça dans le registre. Et nous no avons registre. Été visiter un tel, et tel jour. Tel casal, il a un tel problème. Vous mettez problème, son numéro de téléphone. Et quand numéro le pasteur vient, quando virá o pastor, il peut prendre le cahier, connaître tous les problèmes. Ele pode referir no que vous venez ce moment-là. Vamos virar isso cruzado as mãos. Est-ce que c'est ça notre votre travail? Oh, votre travail não é só aqui. Aujourd'hui là. Hoje. Hein, frère Silva. Irmão Silva. Et c'est Carlos. Et irmão Carlos. Donnez-le l'argent pour un registre. Irmão Carlos, administrador, dá o vous dinheiro mettez, nos porteiros para comprar mettez, caderno grande que vai servir registro. Dimanche, je ne vois pas des rapports à l'intérieur. Dos relatórios das visitas. Sinon. Senão. Domingo vous allez attendre votre pasteur. Vont esperando moi, votre je pasteur. Mettrai mes huissiers à moi. Eu jusqu'au jour où je partirai, mes huissiers s'assoient et vous continuez votre travail. Até no dia em que eu voltarei, parce qu'on ne peut pas travailler comme ça. Non, podemos trabalhar les huissiers, assim. C'est les collaborateurs du pasteur. Porteiros sont collaborateurs directs du pasteur. Diacre, n'est-ce pas? Ele faz o ofício do diácono. Le diacre a plus de responsabilité que le pasteur. O diácono tem mais responsabilidade que o pastor. Cette manière de faire là vraiment, c'est, é a vossa maneira ça dérange. Ah, o vosso empenho dimanche, tem que... je dois voir le compte rendu des huissiers dans les quartiers. Neste domingo, gostaria de ver o relatório dos porteiros nas suas visitas nos bairros. Que cela ne vous fasse pas du mal, mais il y a des choses qu'il faut parfois gifler en face. É que isso não vos magoe, mas há coisa que devemos chapar de cara assim. Amen. Amen. J'attends le cahier. Ceux qui sont malades, on a visité un tel, il a besoin d'une prière. Je dois connaître. Vamos visitar tal família, o irmão fulano está doente, assim, assim. Et vous aussi arrangez la voiture du pasteur, elle est devenue quacala, quacala. Si bien que pour sortir avec elle, vraiment, on se déroge. Mortecedor do caro pastor, é bom fazer a manutenção. Je dois faire son travail, aller visiter les gens, essayer de ramener ce qu'on doit ramener. Pessoas nos bairros daqui para lá. Hein? Amen. 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 Samedi, je crois qu'il n'y a pas, prière. J'aurai une réunion. Si je fais ça samedi, il n'y aura pas assez de jeunes.
sábado, nous allons le dire lundi et dimanche. Chaque samedi, tout ce temps que je serai ici, il y aura une réunion des jeunes ici. Todo sábado, tous les jeunes que estarei aqui, haverá tempo, réunion de jejum, marié ou pas, casal comme não, jejum. Amen. Amen. Todo et sábado. Je trouverai un jour pour faire une réunion avec les mariés. Et c'est fort possible, eu vou fazer um dia desse para ter uma reunião com os casais. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Ine com a paz do Senhor. J'ai besoin des administrateurs. Afin. Mais moi, quand j'appelle les administrateurs, je ne veux pas voir les huissiers dans la salle. Eu preciso dos administradores. Ce n'est pas les écritures. Quando eu chamo o administrador, la réunion des huissiers, les huissiers, les diacres ne doivent pas être là. Écrit dans l'ordre dans l'église. De la réunion dos administradores. Vous venez faire quoi? Os porteiros não podem participar. Moi, je vous appelle. Se for, ne venez pas. Chamar é outra coisa, mas quando eu chamei. Voici, quand vous faites vos réunions, vous ne voyez pas les administrateurs. Amen. À votre vez, quand vous venez à votre faire réunion, quoi? Assez, j'ai bien dit administrateur, je trouve le bureau plein de huissiers. Oh. Eu chamei todos os administradores. Bato batang na kate ou ni? O gabinete cheio de porteiro. Será que você anda a ler ou não? Que Dieu vous bénisse. Sauf le président que j'aurai besoin. Le reste, vous allez attendre dehors. Quem pode participar nesse encontro é o presidente dos porteiros com os administradores. Os outros, espera aí fora. Podemos sair. Obrigado pelo saldo que vocês me enviaram. Merci beaucoup. Mon téléphone était plein, mais on dirait qu'il est vide. É, meu telefone ficou cheio. J'ai bougé, là, il pèse. Eu mexi, está bem lotado com saldos. Amen. Amen. Merci beaucoup. Il y a un jeune frère qui m'a envoyé beaucoup de crédit. É um jovem irmão que me deu muito salto. Je ne connais pas, mais que Dieu te rende cela au centuple. Não te conheço. Amen. Que Deus te rende ao centuple. Il y en a d'autres qui me donnent le crédit, parce que je dois être en contact avec Brazzaville et tout. Esse crédito me permite oui, estar là, em contato com Brazzaville. Un El Dorado, que ça coûte trop cher. Vous savez, chez nous, lá no Congo Brazzaville, avec 1000 kwanza que vous achetez le crédit, esse 1000 kwanza que são 10 dólares que você compra cartão, vous pouvez téléphoner Luanda, vous téléphonez les États-Unis, vous téléphonez la France, vous téléphonez, vous vous fatiguez. Aquel crédito pode téléphoner durante 60 minutos, ok, uma coisa assim, mas... Mais chez vous, si vous téléphonez 2 minutes, c'est fini. Aqui, é só 2 minutos. Donc, la guerre a quitté physiquement, c'est maintenant entré dans les téléphones. Aquel physique entrou agora no téléphone. Vous savez, chez nous, avec 200 francs, tu téléphones Luanda, même 4-5 minutes. Là, la nossa, onde que vivemos, pour 200 kwanza, pour téléphoner. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis venu la première fois, le pasteur m'a amené dans un supermarché. Il dit, bon, choisis les choses pour madame et les hommes. Pasteur me levou no supermercado, escolher as coisas que eu queria. Ela começou a escolher. Ah, la chaussure là est bonne. Oh, aquela sapato. Après, je demande, ça fait combien? É quanto é? Oh, ça fait, c'est pas tant de kwanza. Oh, kwanza x. Je dis, en France, cette fois, ça fait combien? Eu converti. Oh, 50 000. Ah! Mais ça, à Brazzaville, ça coûte au moins 10 000. Est-ce que Brazzaville, quoi, 50 000, non. 50 000, non. Le pasteur m'a dit, mais c'est moi qui paye. Il m'a dit, mais c'est moi qui paye. Je dis, ah, ok, tu vas comprendre. Je dis, non, non, non. Non, pasteur, laisse. Deixa isso. Eu vou. J'ai refusé. J'ai recusé. Il dit, mais toi, tu es comment? Comment un truc que moi j'achète à 5 000, ils sont le voir à 80 000. Et là, je compre à 5 000, je vais à 80 000. Entende? Compreende? Mariage de dimanche. Au casamento que terá, venez à temps. Que terá lugar no domingo. Est bon, veuillez vivre seul. Avant que je ne monte en chair, après qu'on a conduit les chansons, depois de subir aqui no pulpit, depois de cantar, on fait entrer les mariés. Vamos fazer entrar os casais. Parce qu'en réalité, la prédication, c'est pour les mariés. En réalité, la prédication est pour les casais. On a une réunion avec les membres. Et un domingo, temos réunion com os membros. Je vais juste parler un tout petit peu, je bénis le mariage et je reste avec les membres pour une réunion. Et vou abençoar pouquinho et vou ficar com membro et uma réunion. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Expressou.